YouTube est réputé comme étant le deuxième moteur de recherche sur Internet, juste après Google. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment générer une audience et des vues sur YouTube. Sur YouTube, la clé, c'est de générer du temps de vue. Mais contrairement à ce que vous croyez peut-être, il ne s'agit pas de faire des vidéos plus longues. La preuve, vous pouvez avoir une vidéo qui dure 20 minutes. Mais en moyenne, les utilisateurs de YouTube n'en regardent que 5 minutes 40 parce qu'elle n'est pas très intéressante. Et vous pouvez avoir une vidéo de 9 minutes dont les utilisateurs regardent en moyenne 8 minutes 30 parce qu'elle est passionnante. La seconde est plus courte, mais elle maintient l'attention de l'audience. Elle sera donc privilégiée par la plateforme. Vous saisissez que la clé, c'est de maintenir l'audience devant vos vidéos le plus longtemps possible. Mais comment faire? Pour y parvenir, vous devez créer du contenu avec une bonne idée. Ce que j'entends par idée, c'est l'acronyme IDH, c'est-à-dire générer du contenu qui soit instructif, qui enseigne quelque chose, divertissant, qui capte et relance l'attention toutes les 3 à 4 secondes, et ou humoristique, c'est-à-dire qui déclenche une émotion spontanée, viscérale, et c'est le cas de l'humour. Si vous avez tous ces ingrédients, c'est excellent. Il faudrait en avoir au moins 2 pour faire mouche avec votre contenu. Mais pour vous hisser au sommet, vous devez optimiser certains éléments au niveau de votre chaîne et de chaque vidéo. Pour cela, vous pouvez utiliser les 5 points de mon accroche d'une chaîne star, en étoile, comme suit. À la base, il y a votre chaîne qui doit être parfaitement optimisée sur un thème porteur. Le logo de la chaîne, la bannière de celle-ci, tout doit être parfaitement cohérent. Ensuite, il y a le texte du paragraphe à propos. Le paragraphe à propos de votre chaîne doit correspondre aux expressions et aux mots-clés les plus recherchés de votre thématique et donner envie de s'abonner. Puis, pour chaque vidéo, vous aurez un titre. Le titre doit comporter des mots-clés que les gens recherchent sur YouTube. Créez un titre accrocheur avec une intrigue et, ou éventuellement, une grande promesse. Mais c'est très important, tenez votre promesse dans votre vidéo. Et une description. Il s'agit d'une description dans laquelle vous veillerez particulièrement à soigner les 2 premières lignes qui doivent aussi comporter des mots-clés ciblés et inciter à regarder votre vidéo. Et enfin, le dernier point de l'étoile, la miniature, aussi appelée vignette. Votre miniature doit sortir du lot. Pour y parvenir, vous pouvez prendre le contre-pied des autres vidéos dans votre domaine. S'il montre des personnages, montrer des animaux. S'il montre du texte, montrer des illustrations. Ajoutez en tous les cas des couleurs vives, contrastées. Si possible, un visage ou un élément qui ressort clairement. Donc vous saisissez le modèle en forme d'étoile. Au niveau de la chaîne, vous optimisez l'ensemble sur un thème spécifique et vous créez une identité graphique cohérente et un discours adapté au niveau du à propos. Et pour chaque vidéo qui compose la chaîne, vous optimisez le titre, la description et vous ajoutez une miniature impactante. Et vous n'optimisez pas une fois, mais constamment. C'est comme ça que vous allez créer une chaîne star sur YouTube. Et j'ai encore d'autres astuces à partager avec vous. Mais avant, si vous voulez vraiment développer sérieusement votre chaîne YouTube, allez sur strategemarketingpro.com, la version pro du site Stratège Marketing, et suivez l'atelier Cartonner sur YouTube. Dans cet atelier, vous apprendrez notamment un système ingénieux pour hisser votre chaîne à la tête de votre thématique. Allez simplement sur strategemarketingpro.com et sélectionnez l'atelier Cartonner sur YouTube. Mais on n'a pas terminé. Voici encore 7 autres astuces pour faire des étincelles sur YouTube. 1. Si vous avez un blog ou si vous êtes présent sur un autre réseau social que YouTube, prenez votre meilleure publication, celle qui a le plus d'engagement, et faites-en une vidéo que vous publiez sur YouTube. Il y aura de fortes chances que cette vidéo ait autant de succès que votre meilleur contenu qui performe déjà bien sur d'autres plateformes. 2. Soignez les 10 à 30 premières secondes de votre vidéo. Faites une promesse forte que vous allez tenir dans la vidéo pour que les spectateurs restent jusqu'à la fin. 3.
Si vous avez déjà une chaîne établie, vous pouvez créer une fiche sur vos vidéos qui ont le plus de vues, qui envoie à vos visiteurs sur la toute dernière vidéo que vous venez de publier. Vous faites ainsi la promo de votre nouvelle vidéo sur vos vidéos plus anciennes qui attirent déjà du public. 4. Choisissez un hashtag spécifique que vous allez placer dans la plupart de vos vidéos, de sorte que YouTube recommande toutes les vidéos qui comportent ce même hashtag. 5. Créer une dépendance. C'est comme les séries télévisées. Les gens continuent à regarder une série parce qu'ils sont accros. Peut-être aiment-ils les personnages ou apprécient-ils le suspense ou sont-ils remués par des intrigues incroyables. Trouvez une accroche qui attire vos adeptes et qui les incite à revenir, par exemple avec une intrigue non résolue juste avant la fin de votre vidéo. Vos spectateurs pourront connaître l'issue à la prochaine vidéo. 6. Collaborer. Lorsque vous faites une vidéo avec quelqu'un, vous faites en sorte que vos spectateurs et leurs spectateurs regardent la vidéo. Collaborez avec 10 personnes différentes sur 10 vidéos différentes et vous avez maintenant 10 nouveaux publics qui regardent vos vidéos. Pour que ça marche, identifiez des influenceurs qui ont environ la même audience que vous pour faire ces collaborations. 7. Faites la promotion de vos vidéos. Mettez autant de temps, d'efforts et d'ardeur à promouvoir vos vidéos que vous en avez mis à les développer. Pour cela, faites la promo de vos vidéos sur tous les autres points de contact que vous avez, site web et réseaux sociaux. Bien entendu, n'oubliez pas de dire à votre audience d'ajouter des pouces qui montent, de commenter et de s'abonner à votre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et créer une chaîne qui cartonne, hissez votre chaîne en tête de votre thématique, alors rendez-vous dans l'atelier Cartonner sur YouTube qui se trouve sur stratégemarketingpro.com. À tout de suite! We'll be right back.